Yo tout le monde, c'est Kyrios, alors on est reparti pour notre aventure sur Dawn of Man. Hop, on met sur play. On accélère, non, pas encore. Du coup, on avait construit notre première barricade avec un mur et une porte. On a aussi, c'est ici, la tour des guets. Ouais, sûrement, je pense qu'il va falloir que je construise quelque chose ici. Soit je le fais là et je mets une porte, je pense que oui, je pense qu'on va faire là tout de suite, comme ça c'est fait parce que là on a pierre et puis on a là, donc on va faire une porte, on va construire une défense, une porte, la porte on va la faire comme ça. Ah non, il n'a pas pris, d'accord, on recommence. La porte, on a dit, on va la faire voilà. On va construire la palissade. Là, on est bon. Et on va construire la même chose de l'autre côté. Et on est bon. Donc voilà, donc là on est bon, là on est bon. Du coup, oui, bah, il y a un problème de nourriture. D'accord, on va pêcher. On va. Non, non. Du coup, on va redescendre. Non plus. Non plus. Bah alors, j'ai plus rien. Les animaux, vite fait. Parce que là, on est un peu en rupture de stock. Des animaux, des animaux, des animaux. Non. Chassez-moi ça. Chassez-moi ça. Là, j'en ai pas d'autre. Non. Attends, je suis au mon village. Il est là. Ici. Si, j'ai pas mal d'animaux. Donc on va aller faire ça. Là. Là. Puis ça aussi. Ah, comme ça on est tranquille. Ah, comme ça j'aurai pas de rupture de stock. Aussi je crois. Pause. Ah voilà. On avait ça aussi. On peut commencer à créer d'autres fermes. Les plantes. Des pois. De l'ers, pois chiche, lentilles. Donc on va mettre des pois. J'avais dit qu'on ferait là, hein, de toute façon. Qu'on avait dit 3 sur 3. Non. Les petits pois là. 1, 3. 3 sur 3. Ça c'est fait. Et pois chiche. Là, on est bon. Et là, on est bon. Et qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Non. Et pois chiche, ah, des lentilles. 3 sur 3. Voilà. Ça, hop, ça sera pas mal. Ça fera de la nourriture en plus. Donc là, j'ai mes gens qui vont partir à la chasse et à la pêche pour récupérer de la nourriture. Et après, il y aura les champs où ça pourra faire un apport de nourriture constant. Normalement, il faut qu'on ait toujours un bon un apport de nourriture constant. Là, bah, j'avais demandé ça et ouais, mais ils tiennent pas donc. Enfin, ça ne sert à rien. S'il récupère pas les trucs pour tanner. Collecter du tanin, on l'a toujours pas. Bon, on a 18,3 donc on est bon. C'est revenu. On a du pain, la farine, on a les céréales. Donc les céréales, je pense, font de la farine. Et de la farine, tu fais des pains. Ah, on a le marchand qui est là.
Le marchand, qu'est-ce que t'as un truc d'important? Méga, non. Harpon en os non plus. Céréales, la paille. Tissu de laine, viande séchée. En fait, t'as pas grand-chose, mais en plus, tu coûtes cher. Donc, non, merci. Tac de loup. Et en plus, l'hiver arrive, donc... 48 sur 51. Hop, coupe-moi ça. Attaque de pillard. Bon, bah voilà. Normalement, c'est chiant que j'ai pas... ma tour de guet, là. Ah bah attends, j'ai... Voilà. Tous ceux qui ont des armes, ils vont là. Ah, il passe par là. Ah, il passe par là. D'accord. Attends. Du coup, il va falloir que je construise... Non, pas une porte. Défense. Palissade. Bizarre qu'il passe par là. Pillards qui sont là. Mais attaquer là. Ok. Alors attends, on va remettre ça là. Et comment je fais pour arrêter le machin là? Voilà, ouvrir toutes les portes. Voilà. Bah du coup, en fait, ma porte, elle a été détruite. Bon, d'accord. Bah du coup, on va la reconstruire une route. Une porte. Là. Normalement, j'ai une tour de guet qui est ici, qui aurait dû finir mes... Peau séchée. J'ai pas de tin, pas de tanin, c'est ça qui est chiant. Pourquoi? J'arrive pas à en récupérer. Là, ils en sont où? Ouais. Tour de... Ah bah. Notre première tour. Ça y est. Là, voilà notre première tour. Donc il y aura des humains qui seront dedans. Ok. Donc là, tu vas me faire des couteaux. Il ne reste plus beaucoup de couteaux. Donc soit... Biface. Couteau en silex, couteau en os.
c'est la même chose. T'arrêtes et toi tu vas me faire 4 couteaux comme ça. 2, 4, 6, 8, 10. Ça on est bon. Là il me fait des harpons. Oui, bah plus de couteaux, ça je le sais très bien. Et du coup on est à 8 de connaissances. Alors là. Pas besoin. Donc on a ça. Je pense qu'on va peut-être essayer de récupérer les chèvres. Voilà, on fait la chaume. Ce qui me permet d'avoir les huttes de stockage, les huttes normales, un grenier, une écurie, un tisseur, un confectionneur, un atelier, de la boue, de la maçonnerie. Ah, c'est ça, le truc, le pont. Domestication de l'âne. Non. Je crois qu'on va commencer domestication de la chèvre. Pour avoir écurie, écurie en pierre, domestication du mouton, la chèvre et tout ça. De ce fait, construire résidence, donc on n'a pas. Stockage, non. Production, non plus. Défense, non. Spiritualité, non. Funéraire, non. Transport, non. Le mouflon, on peut toujours l'attaquer. D'accord. Là. Cheval, non. Sanglier, non. On a des lentilles et tout ça, mais ça ne nous en dit pas plus. Hop. Là, c'est bien. Et là, on est où? Bon, on est à là. La pierre et de la pierre. Le marchand est arrivé. Qu'est-ce qu'il nous propose, le marchand? Valeur 7. Ça fait 6. Un arc, ça fait 25, ça fait 35, la paille, allez, hop, voilà, 6 de cuir, parce que là j'en ai besoin pour terminer des trucs. On est à 35 sur... Ah oui, bah, il nous faut... Voilà. 2, 4, 6. Là, et lui, il est en train de faire les couteaux. Ok, et... 7, 8, 9, 10. Déjà. Ressources obtenues, la paille. Ok. J'ai beaucoup de paille, là. Je vais peut-être en grain de l'orge, amidon. On va peut-être construire encore un truc de paille, là, stockage de paille, parce que là, ici, bah, au niveau de nourriture, on est bon là. À des moments, il y a des petites crises alimentaires, je sais pas pourquoi, mais on arrive facilement à gérer ça.
Lui, il nous fait encore ça. Là, ils nous font ça. Jusqu'à assez d'outils de récolte. Ok, bah dans la foulée, tu vas me faire quelques outils de récolte. Ah, j'ai plus beaucoup. Ah. Bon, bah va falloir chasser pour récupérer... Voilà. Oula, j'en ai beaucoup là. Méga machin. Voilà. Je peux pas toujours. Non. L'âne, je ne peux pas. En fait, c'est quoi que je pouvais? C'est des chèvres. Il faudrait que je trouve des chèvres quelque part. Donc il faut que je trouve des chèvres. Ouais, il me reste 4 os. Là, il nous a fait ça. Des lances, on a 24-28. Voilà, 14 arcs. Fossiles, on en a 9. On a 16 trucs de pêche. 15 couteaux. Ok. Alors. Attaque d'animaux. Ah, au roc. Ah, ils sont plusieurs à attaquer. Ok. Bah, apparemment, les autres, ils traversaient là. Je comprends pas pourquoi. À moins que... Il faut que je fasse... je sais pas comment. Qu'est-ce que je pourrais faire? Il était une récolte, si, bah si, il y a une faucille à main là, donc c'est bon. Construire. Résidence, non. Alors. Chèvre, on n'a pas. Mouton. On n'a pas cochon. Et mouflon et tout ça. Domestication de l'âne, ça peut toujours servir. Ça, c'est le tissage. Attends, on va mettre sur pause. Qu'est-ce que je pourrais faire là? Chaume. Pour améliorer mes huttes, une écurie. Je pense qu'on va faire la chaume. Ah, pas assez de vêtements. Allez, comme ça, on est tranquille. Là, on est bon. Ça, c'était quoi? C'est avec du cuir, il me reste plus 4, j'ai 23 machins, 23 bruts, 27 de séchés et du thym. Oui, on va faire encore quelques trucs de cuir. 2, 4, 6 et je vais refaire 3 autres là. Comme ça on est bon. Ah oui, mais eux ils passent par là et du coup je sais pas comment faire. Du coup je me demande si ce serait pas mieux plutôt de fermer ici. De fermer comme ça. Tac, tac, et là, comme ça on est tranquille. Je pense qu'on va faire ça. Donc on va arranger tout ça et on va fermer. Ça sera beaucoup plus simple. Et voilà, c'est fini. Du coup, j'ai reconstitué en fait tout mon village.
ce que j'avais là. En fait, la palissade que j'avais ici et ici, je l'ai complètement détruit. Normalement, j'ai refait une grande palissade ici. Avec 1, 2, 3 tours de défense. Peut-être en rajouter une quatrième ici, je sais pas. Avec une porte qui donne accès à là et une porte qui donne accès à ici. En même temps, en faisant ça, j'ai débloqué la chaume, l'excavation de puits et la fabrication de pilotis. Ce qui m'a permis de construire un pont entre ici et ici. Ça évite que les gens puissent aller dans l'eau. Du coup, ils peuvent traverser le pont. Du coup, bah, en même temps, en développant la chaume, donc en fait, je peux construire directement une hutte ou alors, comme j'ai fait là, c'est-à-dire prendre une tente et l'améliorer en hutte. Et du coup, on a besoin des ressources donc qui est demandé. Donc voilà, du coup, ça fait ça, la hutte. J'en ai 3. Je trouve qu'ils sont bien. Ça fait propre, ça fait beau. Bon, on voit qu'il y a un énorme contraste entre une hutte en chaume et une tente en bois et avec, avec du bois et des pots. Là on voit que c'est de la paille, de la chaume et tout. Et pour récupérer de la chaume, on a besoin de récupérer de la boue. Du coup, comme je disais, résidence, donc on a la hutte. On a l'écurie qui est là, qu'il faudrait que je construise. Je sais pas. Pas où encore. En stockage, qu'est-ce qu'on a? Bah, la hutte de stockage, donc en fait cette scène là, donc on peut l'améliorer. Et du coup, hop, construire stockage, ça fait comme ça, un peu plus résistant. Le grenier qui me permet de récupérer en fait tout ça. Qui est, pense que je vais le construire aussi en priorité. Et en production, on avait un puits que j'ai rajouté là. Ça évite que les petits bonhommes, les petits gens aillent là récupérer de l'eau à la rivière. Surtout si l'eau elle est pas propre, donc ils peuvent être malades. Du coup, ils récupèrent dans un puits. C'est de l'eau saine apparemment, donc on verra. Et bah défense non, j'ai rien d'autre, spiritualité non plus, funéraire non, transport bah par les traîneaux et puis le pont j'avais dit. Donc voilà, donc ça m'a pris pas mal de temps, mais le temps que je fasse ça, ça m'a permis de débloquer comme je disais donc tout ce qui est là, tout ce que j'ai pu débloquer, donc c'est bien. Du coup je vais pouvoir construire d'autres bâtiments, ou plutôt améliorer ce que j'ai déjà, donc je vais pas m'emmerder à construire, hein, je vais améliorer. Ça je l'ai pas, mais ça je peux améliorer, ça je peux améliorer. Ça aussi, ça non. Je peux rien pas améliorer ça, les murs améliorer, donc ouais, ça non plus. Il va falloir que je construise l'écurie. Le grenier et c'est tout. L'écurie, ce qui permettra de grâce à la domestication des animaux que j'ai, donc ça c'est bien. Et le grenier, c'est pour mes fermes. Comme ça, tous les grains, tout ça, ils vont être dans le grenier au lieu qu'ils soient transportés ici, hein, transposés là. Hein. Ça prend de la place. Voilà la paille. J'ai de la paille qui pourrait être mise là, j'en ai 3, donc voilà. Du coup, on verra tout ça dans un prochain épisode. Je vous dis ciao ciao à tous et à la prochaine.